Élevez tous les deux mains et célébrons ce grand Dieu. Il n'y a personne comme lui. Magnifions-le. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Que ce jour ouvre un nouveau chapitre dans nos vies spirituelles. Que cet anniversaire marque un point tournant décisif dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Merci Père. Pour avoir accepté nos actions de grâce toute cette semaine et pour avoir accepté nos actions de grâce ce matin, nous te disons merci. Maintenant, parle-nous ce matin et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Louange à Dieu, la fortune est mon partage en 2024. Félicitations. Félicitations. Acclamez très fort le Seigneur. Dieu a été si bon. Dire merci n'est pas suffisant. C'est merci éternellement que nous avons besoin de dire. Que nos actions de grâce à Dieu durent toujours. Que les bénédictions qui accompagnent l'action de grâce deviennent notre expérience quotidienne. Nous allons voir ce sujet titré « Comprendre la bénédiction de l'action de grâce ». Comprendre la bénédiction de l'action de grâce. À chaque fois qu'un peuple ou un individu cesse de rendre grâce à Dieu, les choses commencent à décroître. Lorsque nous cessons de rendre grâce, les choses diminuent. Malachie 2, 1 à 3, ce commandement est pour vous prêtres. Sacrificateur, si vous ne prenez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai, j'enverrai la malédiction sur vous, je maudirai vos bénédictions. Je les ai déjà maudits parce que vous n'avez pas pris à cœur. Souvent, nous faisons un mauvais diagnostic de nos situations, donc nous utilisons un mauvais traitement. Le manque d'action de grâce fait que les choses s'effondrent ou diminuent. Voyez ce qu'il dit au verset suivant. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Lorsqu'un peuple ou un individu cesse de rendre grâce, les choses commencent à diminuer. C'est pourquoi. Pour toute chose, rendez grâce. Pour que cela ne diminue pas. Et en toute chose, rendez grâce. Pour qu'il continue de croître. C'est parce que tout ce que nous n'apprécions pas va certainement se déprécier. Nous avons vu comment Hérode a été rongé par des vers pour ne pas avoir rendu la gloire à Dieu. Dans Actes 12, versets 21 à 23. Pour ne pas avoir rendu gloire à Dieu, les vers l'ont rongé.
Et il fut déprécié jusqu'à l'extinction. Les murmures sont un piège. Murmurer, c'est un piège. Cela expose le croyant au destructeur. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez pas. Comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Que ceci soit parmi les grâces que vous emporterez de ce 43e anniversaire. Que les murmures s'arrêtent de votre vie. Que les plaintes s'arrêtent de votre vie. Le peuple s'est plaint et cela déplut à Dieu parce que Dieu l'a entendu et sa colère s'est éveillée. Et le feu a brûlé et a brûlé la plupart des gens qui se trouvaient autour de la tente. Donc lorsque nous sommes toujours dans l'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, nous le poussons à faire plus. D'une voix forte, il rendit grâce. Et Dieu a dit, regarde, je vais faire plus. Maintenant, va et sois parfait, que toutes les traces qu'a laissé la lèpre sur le visage ont disparu et ses mains sont revenues à la normale. Lorsque nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, il fait plus. Désormais, vous verrez de mieux en mieux. Il rendait grâce à Dieu et Dieu ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Il fait plus lorsque vous le remerciez pour ce qu'il a fait, vous le poussez à faire plus. À faire plus. C'est ce qu'il fait. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons célébré Dieu suffisamment. De 2,3 hectares de terrain, il nous a envoyé à 530 hectares au début. Qu'allions-nous faire avec tout cela? Donc, nous avons fait un mur en béton pour sécuriser le terrain. Et un jour, en 2007, il m'a dit, fais tomber les murs. Et va faire plus. Achète plus. Et tu nous as envoyé de là où nous étions, vers ce grand terrain. Et en peu de temps, le grand terrain est devenu trop petit. Et maintenant, ce qu'il a acquis par lui-même est plusieurs fois supérieur à ce qu'on avait acheté initialement. Plusieurs fois. L'action de grâce pousse Dieu à faire plus. Personne ne peut être stagné avec l'action de grâce. On ne fait que changer de niveau lorsque nous lui rendons grâce. Que le peuple te loue, ô Dieu, alors la terre porte son produit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est l'accès au règne de bénédiction redoutable. Et vous ne manquerez pas de cela dans votre vie. Toutes les bénédictions attirent généralement des oppositions. Le méchant grince les dents. Non, ça ne peut pas se faire. Pas ici. Nous ne nous permettrons pas cela. Mais l'action de grâce est ce qui fait en sorte que Dieu se charge de nos batailles contre nos ennemis. Nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas où ils sont. Mais les yeux de Dieu qui voient partout savent où ils se trouvent. Et alors que nous lui rendons grâce, il se charge de nos batailles. Nous l'avons vu dans 2 Chroniques 20, verset 22. Lorsqu'ils commencèrent à chanter et à louer,
Dieu a monté une embuscade contre leurs ennemis. Et ils furent tous frappés. Et ils se sont attaqués les uns aux autres et nul, personne d'entre eux n'a pu échapper. Jusqu'au verset 24. L'action de grâce fait en sorte que Dieu se charge de nos batailles. Le désir du méchant périt. Je suis celui qui te bénit, qui t'élève. Donc quiconque essaie de faire barrière ou obstacle, je l'écarte. Je n'ai pour cela pas besoin de ta permission. Lorsque Dieu se charge de nos batailles, alors nous avons gagné. Est-ce que Dieu peut revenir défait d'une quelconque bataille? Est-ce que Dieu peut revenir défait d'une quelconque bataille? La dernière bataille que vous avez perdue sera la dernière que vous perdrez. Il se charge de nos batailles. C'est pourquoi nous devons à Dieu des actions de grâce. Pour que l'Église continue de croître et que nos vies continuent d'avancer d'un niveau de gloire à un autre. C'est un mystère vital de croissance et d'expansion permanente. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, je changerai leur statut, ils ne diminueront pas. Ils ne seront pas méprisés. Donc, l'engagement dans les efforts d'avancement du royaume change le statut des gens. Donc, s'il vous plaît, que votre foi s'éveille. Est-ce que je peux demander à tous nos pasteurs qui viennent de loin, de près et de loin, est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour qu'on vous reconnaisse avec vos épouses? Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Certains d'entre ces personnes précieuses ont été là depuis 30 ans, depuis 28 ans, depuis 25 ans. Et nous sommes là pour glorifier Dieu ce matin, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans cette commission. Veuillez vous asseoir et soyez bénis. L'action de grâce porte plus de poids que l'intercession dans la croissance de l'Église. Ça porte plus de poids. Les choses se multiplient avec l'action de grâce. Les choses se réduisent par manque d'action de grâce. Rien ne se réduira dans votre vie, ne se réduira plus jamais dans votre vie. Pensez d'où vous venez et vous aurez un chant. Pensez à là où il vous a pris et vous aurez certainement un chant. Pensez à ce que vous serez devenu sans Jésus et vous aurez un chant. Alors que vous le célébrez pour ce qu'il a été pour vous, vous le poussez à décorer de mieux en mieux votre vie. Vous ne manquerez plus de cela. Mais pas seulement l'action de grâce, du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Dieu ne voit pas comme les hommes. L'homme voit l'extérieur, mais Dieu voit dans le cœur. 1 Samuel 16, 7. Il dit, prenez à cœur. Ne le faites pas juste parce que tout le monde le fait, mais prenez à cœur de rendre gloire à Dieu. Vous le faites au point où vous versez des larmes d'appréciation. Comment? Comment suis-je arrivé là? Vous reconnaissez qu'aucun homme ne triomphe par la force. La compétence ne garantit pas un futur. Ecclésiaste 9:11. Chacun est ce qu'il est aujourd'hui par la grâce. Mais nous pouvons augmenter cette grâce. Et l'un des moyens de grandir dans cette grâce est de continuer d'apprécier Dieu. Et la grâce continuera de croître dans nos vies. C'est l'une de nos addictions dans cette commission. Ésaïe 29, verset 30, verset 13 plutôt. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do they honor me,
Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il me mord de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi, nul qu'un précepte de tradition humaine. Donc, il chante, mais voyons la réalité. Et qu'est-ce que Dieu a vraiment fait pour moi? Je sais où sont mes autres collègues. Alors, allez vers eux. Allez là où ils sont. J'ai un témoignage vivant que ces bénédictions font s'enrichir et ne se font suivre d'aucun chagrin. Je n'ai jamais souffert d'une nuit sans sommeil et Dieu est mon témoin aujourd'hui. Il enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'en suis témoin. Nous ne parlons pas simplement de la richesse en papier ou sur papier. L'histoire d'une personne change. Donc, s'il vous plaît, faites-le avec compréhension. Tout ce que vous faites sans compréhension ne produit rien. Le résultat de toute parole est une fonction de la profondeur de notre compréhension. La semence est semée dans une bonne terre, mais cela ne peut porter du ça porte des fruits en diverses catégories. Certains 30, certains 100, peut-être certains pour 5 fois, peut-être d'autres il y a 2 fois. Et pour d'autres, c'est une seule fois. Et d'autres, négativement. La compréhension est ce qui fait la différence. Matthieu 13, verset 23. Celui qui est tombé dans la bonne terre est celui qui a compris la parole et l'a comprise. Et qui a reçu la parole et l'a comprise. Et donc, il est parti porter du fruit au centuple. La même bonne terre, mais avec divers niveaux de compréhension. Mon fils m'a dit à l'époque, je dis, David, regarde-moi, quand je prie, Dieu m'entend. Donc, reste tranquille. Elle ne mourra pas. Je sais quand Dieu m'entend. J'étais en prière et il m'a dit, j'étais entendu. Donc, il n'y a plus de raison. J'ai dit à mon partenaire là, ce problème est réglé. Si tu as un autre problème, dans ce cas, on peut prier pour ce problème. Notre compréhension importe. Ça importe sur le résultat. Ça a un impact sur le résultat. Ce n'est pas seulement le fait de donner qui fait prospérer, mais c'est la compréhension de l'alliance des semailles et de la moisson. Et la procédure qui provoque le résultat. Et vous conformez à cela. Vous n'aurez pas besoin de crier à Dieu. Non, vous n'aurez pas. Tant que vous ne cessez pas de murmurer, vous ne connaîtrez jamais de changement. Tant que vous n'arrêtez pas de vous plaindre, les choses resteront compliquées. Vous ne pouvez pas tenir face à sa colère, alors pourquoi le provoquer? Ne provoquez pas la colère de Dieu que vous ne pouvez pas supporter. Ne le provoquez pas jusqu'à ce qu'il soit dans la colère alors que vous ne pouvez pas tenir. Mais vous n'arrêterez jamais d'expérimenter des changements positifs en allant de l'avant tant que vous restez engagé dans une action de grâce qui est profondément ancrée dans le cœur. Maintenant, nous allons examiner le coût de ne pas rendre grâce. Première chose, le manque d'action de grâce peut transformer notre gloire en honte. Que Dieu nous en garde. Malachie 2, versets 1 à 3. 2. Le manque d'action de grâce peut nous empêcher d'avancer.
Cet homme est revenu rendre grâce et Dieu l'a fait avancer de la guérison à la plénitude. Le manque d'action de grâce peut empêcher à n'importe qui d'avancer. Luc 17, 17 à 19. 3. Le manque d'action de grâce peut conduire le croyant dans la captivité. Jérémie 13, versets 15 à 17. Hear ye and give ear and be not proud, for the Lord has spoken. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Mais si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Le manque d'action de grâce, c'est de l'orgueil. Dieu devrait savoir que je suis plus que ça, je vaux plus que ça, je sais ce qui se passe dans le monde. Quel est l'avantage de servir Dieu? Je vis dans une maison de deux chambres. Vous n'allez-vous pas rendre grâce à Dieu parce que vous n'êtes pas sous les ponts? Je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Le manque d'action de grâce peut conduire le croyant dans la captivité. N'essayez pas. Ne l'essayez pas. N'essayez pas. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu bénéficie du compagnonnage avec Dieu. Seulement ceux qui peuvent retenir Dieu captif peuvent aussi les retenir captifs. Il demeure au milieu de son peuple. Toute véritable action de grâce évolue pour devenir la louange. C'est une bonne chose de rendre grâce à Dieu et de rendre grâce à son nom. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. On ne peut pas retenir Dieu captif. Et Dieu est avec vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre toi? Qui peut être contre nous? Et donc, le manque d'action de grâce peut conduire n'importe qui dans la captivité. Que vous soyez un apôtre qui ne donne pas, par exemple, sera pauvre. Son appel est réel, mais cela ne peut pas rompre l'alliance. Un apôtre qui murmure, il s'expose au danger. Un prophète qui ne se conforme pas à ce que Dieu lui dit ne va pas en profiter, en bénéficier. La parole de Dieu s'applique à tout le monde, y compris ceux qui sont envoyés prêcher. Quatrièmement, terrible, l'action de grâce, le manque d'action de grâce détruit comme l'orgueil. Psaume 28, verset 5. Le manque d'action de grâce détruit. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, il les renverse et ne les relève point. Il les renverse. Ils ne sont pas attentifs. Ils prennent les œuvres de l'Éternel pour acquis. Il les renverse et ne les relève point. Personne ici ne sera renversé. L'action de grâce nous a envoyés ici du niveau zéro. Je me rappelle à l'un de ces cultes, j'ai appelé à Kaduna, j'ai dit, « Jeune Jean, comment était le culte aujourd'hui ?» Il dit, « Ça s'est très bien passé. » J'ai dit, « Combien de personnes étaient présentes ?» Ils disent, deux d'entre nous plus le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'à ce culte, personne n'est venu si ce n'est l'équipe. J'ai dit louange à Dieu. Donc, l'un conduisait la prière et l'autre dit Amen. C'était ça le culte de milieu de semaine. C'est de là que nous venons. Et il n'y avait aucun grain de plainte. Quand vous entendez quatre personnes, c'est un grand nombre. Ce soir-là, c'était deux personnes.
Steve et Simon. And the Holy Ghost. Et le Saint-Esprit. No one's told us we ever experience a change without a genuine heart of thanksgiving. Aucune histoire ne peut changer sans un véritable cœur d'action de grâce. Vous le remerciez pour un, cela deviendra deux. Vous le remerciez pour deux, vous êtes sur le point d'être quatre. Vous remerciez-le pour quatre, et vous êtes sur le point de devenir huit, dix, douze, vingt, trente, quarante. Aucun enfant ne grandit à la naissance pour atteindre 1,50 m. Le père et la mère vont fuir. Je n'ai jamais eu une plainte contre Dieu pour dire « Oh Dieu, regarde ce que tu as fait. » Je n'ai jamais eu ce genre de pensée dans ma vie. « Seigneur, qu'est-ce que tu fais là ?» Tout au long de la bataille de ma femme avec l'esprit de mort, je n'ai jamais dit « Dieu, tu sais, je suis prophète. » Pourquoi ? Ce sont les défis qui font des champions. Vous savez, la plupart du temps, vous parlez, vous vous adressez à Dieu comme si vous étiez au contrôle avec lui. Que Dieu soit vrai et que tous les hommes soient menteurs. En toute chose, rendez grâce. C'est cela ma volonté. Vous faites ma volonté, vous obtenez la promesse. Vous refusez ma volonté, alors débrouillez-vous. En toute chose, rendez grâce. Parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ nous concernant. Et en fait la volonté de Dieu, Hébreux 10, 36, vous avez besoin de patience et de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Vous obtiendrez la promesse. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Et finalement, le manque d'action de grâce empêche aux prophéties de s'accomplir dans la vie des croyants. L'action de grâce est une exigence vitale pour expérimenter l'accomplissement des prophéties. L'action de grâce est une exigence vitale pour expérimenter l'accomplissement des prophéties. L'action de grâce est une exigence vitale pour expérimenter l'accomplissement des prophéties. C'est la volonté de Dieu de le faire avant que les prophéties ne s'accomplissent. Nous avons dit tellement de choses sur votre vie et sur ma vie concernant cette année. Personne ici ne manquera sa portion. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, rendre grâce à Dieu pour ses œuvres merveilleuses dans nos vies pendant les 43 dernières années. Et que notre action de grâce qui est déjà offerte soit acceptable à notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Juste avant de terminer, seulement les vivants, seulement les vivants, seulement les vivants peuvent le louer. Les vivants, le vivant, peuvent te louer comme je le fais aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, une personne qui n'est pas née de nouveau est morte spirituellement. Donc, il n'est pas candidat pour l'action de grâce ou la louange. Les morts ne te louent pas. C'est seulement les vivants. Vous êtes là aujourd'hui, vous voulez dire « Jésus, sauve mon âme ». Je vais être parmi les vivants. Et être qualifié pour te louer, parce que cela garantit ta présence et cela fera toujours la différence dans ma vie. Garantir l'éternité qui est le but ultime de la rédemption. Sauve mon âme ce matin. Partout où vous êtes, veuillez vous mettre debout. Jésus, sauve-moi ce matin. Pardonne mes péchés aujourd'hui. Beaucoup plus de personnes se mettent debout, acclamer le Seigneur pour eux. Il y a aussi des gens qui ont besoin de redédier leur vie à Christ
et revenir à leur premier amour. Revenir à leur Père Céleste. Vous savez que vous êtes éloigné. Mais tant que vous ne retournez pas, vous ne serez pas restauré. Vous voulez redédier votre vie à Christ aujourd'hui, veuillez vous mettre debout. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, veuillez vous mettre debout. Veuillez vous mettre debout. Jésus est Seigneur. Et pour tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel. Et faites cette prière après moi, du fond du cœur. Dites Seigneur Jésus. Dites Seigneur Jésus. Sauve mon âme. Je me repens de mes péchés aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je crois. Mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je te proclame aujourd'hui comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre tous ceux qui, vous tous qui avez fait cette prière par le sang de Jésus, restez couverts contre tous les assauts sataniques. Aucune force de l'enfer ne vous empêchera de suivre Christ. Vous le suivrez jusqu'au bout. Vous aurez une vie de triomphe et vous irez au ciel à la fin de votre parcours. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Les officiels vous donneront quelques supports avec un formulaire à remplir. Et nous voulons participer à votre joie, aider votre foi. Your email address, if you have, and they will be in touch with you. You heard in the announcement, Believers Foundation class. Vous l'avez entendu dans les annonces, les cours de fondation. Nous allons vous contacter aujourd'hui pour vous indiquer l'adresse la plus proche de vous. Vous allez pour deux lundis et vous aurez garanti une fondation sûre pour votre vie chrétienne qui conduira à une vie de triomphe et de victoire au nom de Jésus. Pour tous ceux qui n'ont pas pu arriver à l'heure, qui ne pourront pas arriver à cause de leur travail, il y a une version en ligne gratuite. Vous pouvez aussi les suivre. Église, acclamons très fort le Seigneur. J'ai eu une visite très impressionnante. La foi peut faiblir et la foi peut mourir. La foi de Pierre a échoué deux fois ou a faibli deux fois. Premièrement, si c'est toi Jésus, fais en sorte que je vienne vers toi. Et il dit, viens. Il a commencé à marcher sous les eaux. Matthieu 14, versets 26 à 28. Et lorsqu'il a vu les vagues, sa foi a faibli. Seigneur, sauve-moi. Pourquoi as-tu douté? Personne de peu de foi. Sa foi a faibli. Sa foi a faibli. N'importe qui peut te renier sauf moi. Je préfère mourir que de te renier. Il l'a renié trois fois. Jésus lui a dit, Satan en veut à ta foi, mais j'ai prié pour que ta foi ne faiblisse point. Trois fois, et il a pleuré amèrement. La foi peut faiblir. Une petite foi ne peut pas tenir face aux tempêtes de la vie. La foi peut faiblir. La foi peut mourir. Jacques 2, verset 20. La foi sans les œuvres est morte. Verset 26. De même que le corps sans l'esprit est mort, de même, il en est de même pour la foi.
sans les œuvres est morte également. La foi peut mourir. Lorsque la parole de Dieu ne vous affecte plus, votre foi est sur un lit de mort, un lit de malade. S'il n'y a plus d'attention imminente, immédiate, la foi peut partir. Rien ne peut affecter le mort. Donc, si la parole de Dieu ne vous affecte plus, vous mourrez lentement. Vous mourrez lentement. Le 9 mai, les 40 jours de visite post-résurrection se termineront. Personne, il y a des gens qui ne sont même pas positionnés pour une rencontre et ils n'en ont eu aucune. Maintenant, le jeûne et la prière demain pour faire avancer son royaume, pendant que nous entrons dans la 44e année de la commission, cela ne vous affecte pas. Et vous commencez à parler beaucoup. Vous mourrez lentement. Mourrez lentement. Opération sauvetage, pourquoi? Par mon statut, quel star? C'est seulement ceux qui n'ont pas de statut qui pensent qu'ils ont un statut. Les hommes de statut ne parlent pas de statut. Le premier milliardaire de ce monde a émergé du service, John Rockefeller. Il était serviteur à l'église. Il fermait la porte de l'église et donnait les clés au pasteur. Le plus grand employeur, donc ne haussez pas les épaules. À chaque fois que la parole de Dieu ne vous affecte plus, la maladie spirituelle a commencé. La foi fait bouger. Noah, qui a été averti par Dieu, alla pour construire l'arche. Si la parole de Dieu ne vous fait plus bouger, ne me vous met pas en mouvement, dans ce cas, vous n'avez pas cru. Alors, je veux exhorter tous les vainqueurs vivants, examinez-vous. Si vous êtes encore dans la foi ou pas, examinez-vous. Examinez-vous. Vous êtes le laboratoire de diagnostic de votre vie. La parole de Dieu exige que nous nous examinions pour voir si nous sommes encore dans la foi ou pas. Nous pouvons le dire nous-mêmes. Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. Ce n'est pas anti-spirituel que d'attendre un retour de notre service. Ça vient des Écritures. Ce n'est pas anti-écriture de s'attendre à une récompense de notre service spirituel. Ça vient des Écritures. Les apôtres ont demandé à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce que nous y gagnons? Il n'a pas dit, taisez-vous, vous êtes trop charnel. Il leur a répondu que il y a un paquet pour vous en servant mes intérêts. Car quiconque est engagé pour moi bénéficiera du centuple de ce qu'il a perdu dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc, il y a une récompense de la vie présente, mon Dieu. Et c'est de cela que je puise depuis 76, et cela n'a jamais échoué. Cherchez premièrement mon royaume, et tout ce pourquoi les autres se tuent te seront rajoutés. Ils ont du mal à l'obtenir, ils luttent, mais je te les rajouterai sans transpiration. Il n'a jamais cessé de les rajouter. Il n'a jamais cessé de les rajouter. Je ne suis jamais entré dans une maison pour demander de l'aide. Pendant 43 années, il est suffisant pour moi. Jésus de Nazareth est suffisant pour moi. Je suis rassasié avec Jésus. Je suis satisfait
avec lui. Ma foi en lui n'a jamais échoué. Je suis satisfait de Jésus. Donc réveillez-vous. Il y a des retours tangibles pour tout service du royaume sincère et qui ajoute de la valeur. Pas que vous vous asseyez et vous prétendez faire ce que vous ne faites pas. Ne me dites pas que Dieu connaît ceux qui le servent. Tout ce que Dieu voit dans le secret, il récompense ouvertement. Si vous n'êtes pas récompensé, alors posez-vous des questions. Si jusque-là, vous ne voyez aucune âme cette année, vous devez vous poser des questions. Vous n'avez pas prié pour qu'une âme en particulier soit sauvée. La bonne nouvelle est que beaucoup d'étoiles s'élèveront. Beaucoup sont déjà élevés. Ils iront plus loin. Et beaucoup plus viendront s'élever. L'élévation des géants vient de la plateforme du service. Bien fait, bon et fidèle serviteur, et autorité sur 10 villes. Vous ne vous élevez pas parce que vous avez duré dans le service, vous vous élevez parce que vous ajoutez de la valeur. Tu m'as donné 1, je reviens avec 10. Il est maintenant, et autorité sur 10 villes. C'est le service fécond qui change l'histoire des gens. C'est pourquoi vous pouvez ne pas pouvoir sortir à cause de votre âge, chercher les âmes, mais vous pouvez vous élever dans la prière, dans votre chambre. Quiconque peut manger peut prier. Quiconque est capable de manger est capable de prier. Donc, pour savoir si votre cœur y est ou pas, posez-vous la question, comment je suis engagé à voir des gens sauvés et établis à l'église? Est-ce que vous priez pour un culte avant de venir? J'ai été dans ce mouvement toutes ces années et je n'ai jamais eu un jour de regret. Je me suis inscrit et je ne me suis jamais posé la question de pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais se manifeste toujours. Le pourquoi je le fais se manifeste toujours. C'est votre tour. Puis-je entendre votre plus grand amen? Tout ce qui concerne Dieu qui ne vous fait plus bouger est une preuve que votre foi est malade et a besoin d'une attention urgente pour ne pas aboutir à la mort. Tout ce qui concerne l'agenda de Dieu qui ne vous affecte plus est une preuve de votre déconnexion. Une déconnexion. Et ce n'est pas sécurisant. Que cette saison marque un nouveau départ dans la vie de tous les vainqueurs. Mondialement, je veux que cela soit envoyé partout, que c'est une opportunité de servir. Dieu n'a pas besoin de vous et moi pour quoi que ce soit, mais nous avons besoin de lui pour absolument tout. Il n'a pas appelé les descendants de Jacob de le chercher en vain, donc servir Dieu n'est pas en vain. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Vous savez où se trouve le problème? Le manque de constance, de persévérance. Vous êtes dedans, demain vous êtes dehors. Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. Je viens avec vos récompenses, c'est cela la signification. Restez au service, je dois vous trouver en action à mon retour. Donc, nous avons ces 7 semaines, ces 8 semaines, pardon. La première semaine commence demain, dans la prière et le jeûne, pour que Dieu visite nos différents territoires, avec des vagues de convictions, qui aboutira à des conversions à travers les divers moyens à nos dispositions. Amen. Nous avons les opportunités électroniques, les réseaux sociaux, de pousser nos flyers à tous nos bien-aimés. Et Jésus les touchera. Ne laissez pas ceci passer, faites l'effort d'y participer. Une chose que je sais, c'est que beaucoup sortiront de cette opération et cela deviendra votre style de vie pour toujours. Et ils ne cesseront pas de changer de niveau, continueront de servir Dieu avec leur temps, leur énergie et leurs ressources. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu sans avoir le temps pour lui. Vous n'avez pas de temps pour lui, c'est que vous n'avez pas un cœur pour lui.
Les soulards qui sont dans les mêmes bureaux que vous ont le temps toujours d'aller au bar pour boire. Ils vont au bar parce qu'ils ont un cœur pour l'alcool. Daniel priait trois fois par jour dans une haute fonction. Si vous avez un cœur pour Dieu, vous aurez le temps pour lui. David priait trois fois par jour et il louait Dieu sept fois par jour. Vous avez un cœur pour Dieu, vous aurez du temps pour lui. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu sans avoir le temps pour lui. La bonne nouvelle est que ce mystère derrière cette commission continuera de se manifester dans votre propre vie. Comment cela se manifester dans votre vie? Veuillez vous tenir debout. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. By the 9th of May, le 9 mai 2024, les 40 jours de saison de rencontre, saison de preuve post-résurrection prenons fin. Certains ont eu des rencontres. Est-ce qu'on a des témoins dans la maison? Mais beaucoup d'autres auront des rencontres dans les quelques jours à venir. Parce que le meilleur de Dieu est toujours réservé pour la fin. Vous serez visité. Toutes les visites ouvrent un nouveau chapitre, vous serez visité. Et c'est pourquoi faites l'effort de marcher en esprit. Il peut vous apparaître dans la journée, dans la nuit, en allant au travail. Donc, efforcez-vous d'être en esprit. Efforcez-vous d'être spirituel avec une marche consciente avec Dieu. Et attendez-vous à ce qu'il vous visite. Tous ces prodiges à travers l'Afrique a commencé dans une voiture. La moisson de l'Afrique est mûre. Tout ce miracle de Lagos a commencé dans une salle de bain. Lève-toi, va à Lagos, élève-moi un peuple. Si vous vivez vous vivez selon l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Il peut nous apparaître n'importe quand. Vous ne manquerez pas cette saison. Et que cette semaine à venir change la vie spirituelle de chacun pour toujours. Et que la vie de prière de chacun change de niveau. Que le cœur pour Dieu soit ravivé. Et que les sept semaines de l'opération sauvetage 2024 marquent l'aube d'un nouveau départ, d'un nouveau jour dans la vie de chacun. Au nom précieux de Jésus, levez les deux mains. Et ensemble, bénissons le nom du Seigneur. Célébrons-le. Les huissiers, s'il vous plaît, rendez disponible. Nous avons l'heure d'alliance de prière tous les matins. Comme il est de coutume, et les soirs, il y aura des réunions de prière tous les jours, à part samedi. Et ça se tiendra à 18h dans cette assemblée, dans toutes les zones, 18h tous les soirs, nous allons prier avec la communion. Et ce sera un moment exceptionnel. Faites l'effort d'y participer. Cette semaine d'éveil spirituel. Et nous allons voir un salut massif d'âmes durant ces sept semaines. Et aucune âme ne sera perdue. Au nom de Jésus. À la fin de ce culte, les huissiers aussi vont aider aux différentes entrées à donner des copies de mémo sur l'opération sauvetage 2024. Levez les deux mains. Et rendez grâce à Dieu. Parce qu'il nous montre toujours le moyen d'avancer. Voulez-vous lui rendre grâce? Parce qu'il nous montre toujours le moyen d'avancer. Le chemin pour avancer. Rendez grâce à Dieu parce qu'il nous montre toujours le chemin pour avancer. J'ai parlé à travers les prophètes et j'ai multiplié les visions à travers les prophètes. Merci de me montrer toujours le moyen ou le chemin à suivre. Au nom précieux de Jésus. Parmi les bénédictions du service se trouve la faveur. Et l'un des composants de la faveur, c'est l'établissement conjugal. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Une bonne chose.
Et c'est une faveur qu'il obtient de la part du Seigneur. C'est une grâce. Toutes les malédictions conjugales seront dans l'histoire. Toutes les difficultés dans le mariage se termineront durant le culte du dimanche prochain, au nom de Jésus. Maintenant, allez en paix. Que les témoignages merveilleux de l'action de grâce vous suivent tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois. Et que vous receviez de l'aide à chaque fois que vous en avez besoin. Votre aide est venue. Il était avec eux, maintenant il est en eux. Votre aide est arrivée et l'aide est en vous. Vous ne manquerez plus jamais d'aide. Aucun malheur n'est permis dans votre zone. Pas de pleurs dans votre maison. Et la même joie qu'il y a dans cette commission devient désormais votre portion. Plus de murmures, plus de plaintes, un nouveau jour pour chacun, au nom précieux de Jésus. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendez-lui grâce. Ensemble, partageons le bonheur. Oui. All the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen.